tous et bienvenue sur Corsair TV, la télé qui ausculte la vie des quartiers populaires de Bruxelles. Vous êtes avide de sensations fortes, alors ne bougez pas parce que vous êtes au bon endroit. En effet, pour cet épisode 7 estival et très spécial, nous sommes à la 131e édition de la Foire du Midi. À l'image de ces 2 km d'attractions, nos reportages vont vous réveiller le ciboulot et mettre vos ménages à l'envers. Attention, vous n'en sortirez pas indemne. Et attention mesdames et messieurs, en guise de cadeau, encore plus fort que la floche du carrousel, ce sont les commerçants et les habitants de Kuregem qui vont présenter cette émission. Alors merci à eux pour leur précieuse collaboration. Et croix de bois, croix de fer, ça va être super. Salut, moi c'est Adem, je suis le roi du bon plan. Et si vous avez une petite faim, il y a des menus à 4 euros tous les midis chez Cosmos. À ce prix-là quand même, on y va hein. À la maison, je suis seule. Ici, j'ai les copains et les copines. On raconte des histoires, on rigole en mangeant. C'est très bien. Au restaurant, ici, je viens tous les jours, sauf le dimanche, car c'est fermé. C'est vraiment social. 4 euros. 4 euros. Vous avez l'entrée, le plat, un café et un dessert. Pour 4 euros, c'est vraiment rien du tout. Cosmos, c'est un restaurant social. Donc, on veut que ça reste du cadre, dans le cadre social. Donc, on ne cherche pas à avoir des bénéfices. Quoi. Ici, le but, c'est de cuisiner pour les gens de Anderlecht et en dehors de Anderlecht. Quand tu termines ça, tu peux arrêter. Hein. Je suis chef cuisinier, en même temps, instructeur. Comme les gens que vous avez vus dans la cuisine, bon, ils ont des contrats PTP ou article 60. Et c'est des gens que, en même temps, j'essaie de former dans la cuisine. Donc pour moi, comme je n'ai pas de famille ici, j'ai trouvé chez Cosmos la famille dont je cherchais depuis longtemps. Allez, vas-y, suis-le. Senti comme si c'était chez moi et non pas un restaurant social, et on sent même pas que c'est un restaurant social, pourtant on se sent dans un restaurant 4 étoiles. Sauf que ici en restaurant social, on a plus que les autres hôtels et les autres restaurants, on a l'ambiance. Il est l'heure de rencontrer Aïcha. Cette jolie jeune femme est animatrice chez Kik, une garderie néerlandophone située à 2 pas de la place Lemmens. Elle nous parle du quartier Kuregem. C'est parti pour un entretien à cœur ouvert. T'es radine aujourd'hui, tu ne donnes pas beaucoup de pipas. Oui. Tu m'as même pas fait un bisou. Comment vous appelez? Moi, Aïcha, et toi? Aïcha. Et toi, Soraya? T'es une marocaine. Oui, on dirait pas que je suis marocaine. On dirait quoi? On fait un film. Avec tes cheveux. Avec mes cheveux blonds. On dirait une quoi? Une belge? Oui, voilà la télé. Mais non. Pourquoi t'as eu peur, même si ça va à la télé? T'es trop belle. La télé, c'est mieux, je veux voir. Ben oui, comme ça tu vas te voir, on va rigoler, on va dire « Ah, oh, c'est Soraya avec les pipas hey. !» Bon, franchement, il n'y a jamais personne qui nous a embêtés, jamais. Jamais, au contraire, dès qu'ils ont vu en plus que c'était pour les enfants du quartier, ils ont été géniaux. Les écoles flamandes, elles sont, il n'y en a pas beaucoup dans des quartiers comme ça. Le flamand, il n'est pas super poussé. Et c'est pour leur donner une occasion, d'après l'école, encore continuer à parler flamand, à faire des choses en flamand, pour qu'eux aussi, ils ont le même niveau que les autres. Tout le monde se connaît, il n'y a pas cette peur. Il n'y a personne qui va faire du mal aux enfants de l'autre. Hein. Pas dans, comme dans certains quartiers, tu vas pas laisser ton fils tout seul aller au parc. Il n'y a pas un chat dans les rues. Ici, au moins, les gens qui viennent de l'extérieur, ils se sentent pas en sécurité, mais les gens du quartier, ils sont en sécurité en tout cas. C'est vrai? Ah, que c'est vrai! Tu te balades où tu veux, hein? Tu n'as pas peur ici? Maka, Burkan, Waktenas de Rey,
Allez, viens, tu vas prendre tous les enfants avec moi. Comme. Bonjour, c'est Mansour Nassar. Je travaille dans la pizzeria Beyrouth. Et c'est l'heure de regarder un reportage sur le site des abattoirs. Ici, on a un abattoir en ville comme c'est le cas ici. Est-ce qu'il faut absolument mettre une ceinture de logement et des barrières partout autour et avoir un grand espace vide qui ne sert à rien, qui sépare l'abattoir des maisons? Enfin, on se demande est-ce qu'il ne pourrait pas avoir de l'activité justement autour de cet abattoir? Et est-ce que c'est pas une opportunité pour le quartier de Curieghem et la commune d'Anderlecht d'avoir un abattoir en pleine ville? Voilà, donc on pose cette question-là. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est prendre, de ce que j'ai compris, prendre des photos de l'abattoir pour montrer un petit peu, voilà, voici les espaces, voici comment ça se présente, etc. Une fois qu'on a un peu vu tout ce qu'on avait, tout ce qu'on disposait comme espace, on essaie un peu d'imaginer ce qu'on pourrait faire dans ces espaces qui finalement, à part le week-end, ne sont très peu, voire pas du tout utilisés. Ici, l'idée, c'était de créer un bâtiment qui pourrait accueillir plusieurs disciplines sportives. Et donc là, on essaie d'imaginer, on a des architectes qui nous ont proposé certaines idées pour certaines super intéressantes, dont celle du potager. Et c'est là que je pense qu'on peut faire pas mal de choses, en se disant, on a les abattoirs, on a le marché, et qu'est-ce qu'on peut encore faire pour rendre ça meilleur ? On cherche les personnes qui sont motivées pour les mettre en place avec nous. Mais nous, on ne le fera pas tout seul. Ah, on n'est pas de la commune. On est vraiment juste au stade des idées, là. C'est ça. Okay. Ça aussi, c'est les abattoirs, je ne sais pas si tu as reconnu. Oui, oui, oui. Et là, ici ? Voilà, l'exposition qu'il y a ici, c'est le travail, c'est une initiative des architectes. Et donc, les idées de tout le monde et l'implication de tout le monde va permettre que quelque chose puisse se faire. Et il y a une idée d'un jardin potager. Donc, l'idée est concrète, puisqu'en avril, il y aura déjà sur le site le projet du jardin potager. Bonjour, c'est l'heure de regarder la séquence Guido. Bien, on va faire une photo d'ici. Tu vois quelque chose ? Et donc, ils ont fait un truc bunker, fermé, gris, caméra et tout. C'est typiquement des lofts, quoi. C'est merdique pour moi, parce que c'est quelque part des enclaves de gens privilégiés par rapport au quartier populaire aussi. Alors, tu vois, au fond, on est de nouveau au fond, et on arrive de nouveau à la Seine au fond. Donc, ces bâtiments étaient des bâtiments de l'usine. Il y avait un moyen de cheminée, je ne sais plus s'il est toujours là. Je ne sais pas si on le voit encore. Et donc, c'est tous des appartements maintenant qui sont mis là-dedans. Mais ils ne font pas vivre le quartier. Ils sont claquemurés dans leurs murs. Ils sont fermés, il y a des codes pour entrer et tout ça. Écoute, ça, pour moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout une intégration. C'est comme si tu créais là un nodule du type cancer, si tu veux, qui quelque part prend la dimension. Demain, ils vont acheter le bâtiment à côté. Et puis après, il n'y a plus que des bourgeois qui seront dedans. Et les petits gens sont prêts d'aller voir ailleurs. Non, ça, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas partant. Voilà. Fermé ici. Oui. Voilà. Hop. Ouh là là. Eh ben, il y en a qui se refusent rien là, quand on voit ça. Ça, c'est devenu des jardins privés, jolis. Mais je m'étonne que on ait pu occuper les parcelles intérieures comme ça. Enfin voilà, c'est devenu un lieu privatisé qui n'a plus aucun rapport avec l'urbain, avec la ville. Or, c'est une trame quand même importante de voir le passage d'un bras de la Seine qui a donc amené l'eau nécessaire pour le textile pour une part et pour le traitement des cuirs et peaux par ailleurs. Il n'y a plus aucun rapport aujourd'hui présent. Je trouve ça dommage et donc quelque part, on devrait pouvoir faire un effort plus loin là-dessus. Que pensent les gens de Curieghem ? La réponse avec le micro-trottoir. Qu'est-ce que vous évoque Curieghem ? Curieghem, les caves. Surtout les abattoirs. J'adore aller là-bas pour faire mon marché. À part ça, je connais pas plus que ça le quartier. Qu'est-ce que vous pensez du quartier de Curieghem ? Je connais pas. Je connais pas. Non ? Non. Qu'est-ce que vous pensez du quartier de Curieghem ? Est-ce que vous connaissez ? Curieghem, c'est à Anderlecht, quelque part comme ça ? Pas vraiment, non. Non, vous n'y allez jamais ?
Non, je vois pas ce que j'irais faire là. C'est pas dans mon chemin. Au fait, c'est un quartier, je vais dire, un peu mal vu. Il y a des moments qui sont apparemment plus chauds que d'autres, mais pas de façon à nous rendre complètement fascinés ou inquiets par ce quartier. Et pourtant, ils ont fait, j'ai vu dans la télé il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait des fêtes de quartier, voisinage et tout ça. À mon avis, c'est un bon quartier, quoi. On n'en fait pas beaucoup de publicité, donc, mais c'est vrai que c'est tous des quartiers tendants, je veux dire, qui sont en train d'être rénovés. Et c'est sympa, quoi, oui. Voilà. On regarde tout de suite le making-of de l'émission précédente. Go! Bonjour et bienvenue dans Corsair TV. Elle rigole! Les journalistes proposent des sujets en fonction de la ligne éditoriale, en fonction du public. Nous faisons donc des tests voix. On est tous là, on est sept, comme des sept fantastiques. C'est la première fois, donc voilà, c'est chouette. Plan moyen, plan ensemble, voilà. Ça prenante, en français, de l'ASBL, le club. Le temps d'une envoûtante odyssée au Maroc, elle remet en scène. Alors, vous avez eu des pics d'adrénaline, on veut tout savoir. On attend vos commentaires sur www.corsair.tv. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, mais gardez votre sourire et montrez-moi vos belles gencives parce que Corsair TV revient déjà le mois prochain. Ciao !